Dans les yeux de Philippe Jalbert. Dans les yeux évoque finalement avec beaucoup de puissance, un petit peu à l'instar d'un zoom, d'une caméra embarquée, une revisite du conte de Charles Perrault, Le Petit Chaperon Rouge. Alors en page de droite, on voit finalement via l'œil du petit chaperon la vision du petit chaperon rouge de la petite fille avec un texte teinté en rouge. Et en page de gauche, nous avons finalement les pensées du loup, l'œil du loup, ces pensées lapidaires et animales, voire instinctives, qui sont écrites en noir. Alors c'est là tout le génie finalement de Philippe Jalbert, c'est de proposer des illustrations de très grand format, très riches en tensions esthétiques, et un texte court est très très efficace. Et donc finalement on a une confrontation et les prémices finalement de cette odieuse scène de crime qu'est l'histoire du chaperon, du loup et de la mère grand. Donc un album prenant et un album qui possède aussi un point d'orgue assez glaçant à la fin du livre. Donc un album pour ceux qui aiment se faire peur, revenir aussi aux racines profondes et parfois sombres des contes ancestraux. Donc je dirais à partir de 6 ans, parce qu'il est quand même par moments assez prenant. Donc, Dans les yeux de Philippe Jalbert, aux éditions Gauthier-Languerot.